Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Jordan TV. Aujourd'hui, on va encore parler de la réouverture des salles de sport. Ouais, je sais, tu vas dire, ouais, Dams, il fait plein de vidéos comme ça. Réouverture des salles. C'est des vidéos qui marchent, donc on continue d'en faire. Et aujourd'hui, on va parler du port du masque conseillé en salle de sport. Bon, je retire ça parce que là, ça commence à faire chier. Et ce masque en laine, il est chaud à la bouche. Bon, on a eu un message de notre cher président pour dire que tout est en zone verte et tout. Voilà, relancer l'économie. On a compris. Ok, le plus important pour nous, pour le sport, c'est que toutes les salles de sport ont commencé à mettre des communiqués. Ouais, bienvenue J-1, J-2 et tout. On va réouvrir dans de bonnes conditions. N'oubliez pas votre masque. Port du masque est conseillé. J'ai même vu port du masque plus que conseillé, genre c'est pas conseillé, c'est plus que ça, donc il faut avoir le masque. Et on va parler de ça, faut-il s'entraîner avec un masque ou allons-nous réussir à s'entraîner avec un masque? Bon, déjà honnêtement, il n'y a pas plus désagréable qu'un masque, que de porter un masque en une journée. Que ce soit le masque chirurgical P20, je sais pas quoi là, on dirait un téléphone, ou alors le masque que tu te crées avec un tuto DIY. Non, le masque en laine là, celui-là est encore plus chaud, mais les autres, ils sont tous chauds. Les masques, c'est désagréable. Et attention, quand je dis ça, je parle pas à toi qui mets ton masque pour aller acheter du pain ou pour faire les courses. Non, ça c'est facile ça. Moi, je parle des gens qui ont travaillé avec un masque, qui travaillent dans leurs 35 heures ou qui vont en magasin ou en boutique ou dans les dépôts et qui sont forcés d'utiliser le masque. Je parle à vous, à eux là. Ceux qui charbonnent avec un masque, là, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas juste pareil. Là, tu sens que le masque, il te fait chier. Et malheureusement, en France, les gens, tu les vois qu'ils en ont marre du masque. Tu les vois, il y en a qui le portent pas, il y en a, ils ont pas envie, ils porteront jamais. Et t'en as d'autres, tu vois, c'est des petits filous, on va parler des filous, tu vois. Parce que là où je travaille, si tu veux, je vais prendre mon exemple. Je travaille dans un centre commercial, tu vois, où le port du masque est obligatoire. Les gens viennent, ils viennent comme ça. Tu vois, le masque, il est comme ça. Dès qu'un agent de sécurité passe, ils font ça. Ok? Normal, tu vois. Ils mettent juste quand ils passent. Il y en a, ils libèrent leur nez, tu vois, parce qu'ils ont envie de respirer quand même, tu vois. Et il y en a d'autres, c'est le niveau au-dessus. Il y en a d'autres qui portent le masque comme ça. Tu vois, là, à partir de là, mets-le dans ta poche. Ça sert à rien de le porter comme si c'était des écouteurs filaires. Ça sert à rien de faire ça. Et honnêtement, moi, je pense pas m'entraîner avec un masque. Tu vois, je pense vraiment pas. Le masque, je sais, il est conseillé, pas obligatoire. On nous a pas dit obligatoire, je le mettrai pas. Tout simplement parce que la respiration en musculation, c'est important. Prendre l'air, c'est important. D'autant plus si tu fais du cardio, tu vois. Avec un masque, ça va générer trop de problèmes. Les gens qui font du cardio, qui n'ont pas de souffle, ils vont s'évanouir vite avec un masque. Donc, ça sert à rien. Le masque, ça te posait plus de problèmes en musculation que de ne pas l'avoir. Déjà, aller à la salle de musculation même, c'est un risque parce qu'on voilà, on est proche, on touche les mêmes machines, on utilise les mêmes machines que ça pour les haltères. Tu crois que les gens ils vont nettoyer les haltères? Non, ça sert à rien. Les machines guidées, au début on nettoiera, mais les gens ils ont la flemme. À la base, ça c'est des habitudes que les gens n'avaient pas avant. Ils les auront peut-être le premier jour, mais la première semaine, ils l'auront plus. Et des haltères, les nettoyer après chaque utilisation, les gens n'auront pas cette habitude-là. Et je le sais. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je le sais. Quand tu prends des haltères et une personne a envie de tourner vite avec toi ou une machine, elle nettoie pas la machine, tu vois. Les gens ils sont là, ouais, on tourne, vas-y, ils nettoient pas la machine. Ils sont là, ouais, je peux prendre les haltères, ils les prennent, ils s'en tapent. Et la salle, c'est comme ça malheureusement. Et en plus de ça, techniquement, tu vois, le masque, tu le mets. Dès que tu fais ça, déjà, à partir de là, c'est mort. Il faut plus le toucher le masque. Dès que tu le mets, tu le touches plus, il est collé. Parce que voilà, tes mains, tu touches des trucs et tout, tu touches ton masque et voilà, tu vois, là, on est dans la merde. Donc, il faut pas le toucher, le masque. Mais quand tu vas boire de l'eau, tu fais comment? Tu vas boire en 4G, c'est ça? Tu fais comment? Tu es obligé de toucher ton masque, tu vois, donc ça sert à rien. Quand tu le touches, autant le jeter, donc viens sans masque. Parce que si les gens viennent avec un masque et ils respectent les conditions, ils boivent pas d'eau et tout, ça va faire trop de problèmes et ça va faire travailler les urgences pour rien du tout, tu vois. Donc, moi, personnellement, je ne mettrais pas le masque à la salle de sport. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te parler du port du masque à la salle, de ce que je pensais. Hein. Et aussi, moi, je pense pas reprendre les salles.
dès maintenant, dès la réouverture, dès que là, les gens vont courir pour aller à la salle. Non, moi, j'ai pas envie. Je vais attendre un petit mois, tu vois. Je vais préparer mon corps à la maison, tranquillement. Je vais peut-être faire des vidéos full training où je parle pas, je m'entraîne. Parce que j'avais fait ça sur YouTube et j'ai bien aimé ce format parce que je parlais pas, je m'entraînais et je faisais un beau petit montage avec de la musique. Donc, je pense que je vais faire ça en attendant mon retour en salle. Et voilà, parce que voilà, j'ai pas envie d'être bloqué dans le monde, de faire la queue et tout. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'à la base, on devait ouvrir le 22. Là, on ouvre plus tôt, donc ça tue un peu l'organisation des salles de sport. Et j'ai pas envie de rentrer dans la précipitation avec tout le monde. Donc voilà, je prends mon temps, tranquillement. Dans tous les cas, le physique, il va pas s'envoler. Je vais le récupérer assez vite. En 2 semaines, tu vois, là, c'est bon, je récupère un niveau que j'avais... avant et convenablement, et voilà, on est bien.